pathologie infirmier, profession rêveur. Voilà mon statut, voilà mon état après 7 ans d'hôpital psychiatrique. 7 années. Vous pensez que je suis enfermé? Vous voyez table, chaise, vous pensez lui il a dû finir entre 4 murs? Eh bien non, je suis ici de mon plein gré et je vais vous raconter un peu le point de vue de l'infirmier rêveur. Je vous préviens, je suis bancal dans mes explications. Et pas très carré sans vouloir rappeler une fiction qui a du pulp. L'endroit me faisait penser à un loft mélangé avec un château. Non, sérieusement, c'était plutôt une grange mélangée à une usine. Mais pour ma santé morale, j'imaginais un vaste champ. J'étais pas le seul infirmier, bien sûr, mais pour des raisons techniques et de budget, nous allons les omettre. Et bien sûr, parce qu'ils ne pouvaient rien faire plus que moi. Apparu, il y avait suicidaire, amnésique, autiste, attardé, schizophrène et hyperactif qui occupaient mon vaste champ. C'est le système. Je me convainc que c'est le système qui veut ça. Pour oublier que c'est l'humain. Et dans ce mélange de pathologies, un mélange incompréhensif, il y avait un grand manque d'activité externe et surtout un manque d'activité physique. Donc, pas de calories brûlées, donc une assiette du midi passée de ça à ça, donc en trois mots, médicalement, ça pique. Le manque d'activité tout court se résume tout banalement par de l'ennui. Autant d'heures à tuer dans la journée par de l'ennui. C'est chouette, non? Et vous savez ce qu'il y a de pire avec l'ennui? C'est quand il atteint les autres autour de vous. Imaginez-vous chez vous en train de faire le clown au milieu de vos amis qui s'emmerdent. Ouh, vous imaginez bien. Sauf qu'il s'agit là de patients très malades, donc pathologie aggravée. Non, non, donc, non. Shootage au médoc. Et mon vaste champ devenait un repère de junkie. C'est pas que j'aime pas mon boulot, mais je hais mon job. Et se sentir équipé dans un fast-food pour pilules, ça a rien d'ambitieux. Max Shoot, bonjour, que direz-vous? Ils avaient le droit à une bonne charge chacun en plus. J'avais l'impression de servir une armée. L'ennui pouvait se régler avec une solution. Le sommeil. Surtout avec les médocs, mon vaste champ serait vidé. Tous dans leur chambre. Mais non. Pourquoi? Parce que chambre fermée, pas de sommeil pendant les horaires prévus, soi-disant. Et on en revenait à mon vaste champ occupé. L'ennui provoque une autre chose, le tabac. Eh ouais, c'est bien connu. Pour un infirmier en 6 mots, médicalement, ça fait mal aux couilles. Enfin, pas littéralement le mal aux couilles. Non, j'ai dit pas littéralement. Au moins, ça réclamait pas. Sortir de là. La seule chose que je pense, c'est... Sortir de là! Enfin, finalement, juste pour rentrer chez moi et dormir sans penser. Un cauchemar pour un rêveur. C'est l'oxymore de ma vie. Vous l'avez compris? La vie de ces patients n'était pas rose. Si ce troupeau s'excitait un poil de trop, c'était secouage, shootage au médoc ou jetage en chope d'isolement. Le point positif d'un centre psychiatrique, c'est un suivi psychologique intensif. Attendez. Mais oui, c'est vrai, il n'y en avait pas. Si vous avez rendez-vous le 30 juin, vous aurez le suivant le 31 juillet. Entre-temps, il ne s'agit que de droits aux permissions, aux habits, à d'autres médocs et aux visites. Hey. Bref. Rien de très concluant. En résumé, la journée d'un patient, c'est levage à 8h30, médoc à 8h50, petit déjeuner à 9h, fermeture des chambres à 10h, et cela sans négociation, remédoc à 11h50, déjeuner à midi, rouverture des chambres à 13h30 pour les refermer à 16h, et cela sans négociation, remédoc à 18h50, dîner à 19h, remédoc à 20h30 et pour finir, sommeil à 23h. En faisant les comptes, ça fait... Mais non, ça fait 3 assiettes, 4 prises de médoc et 10 heures d'ennui tous les jours, même le dimanche. Bien qu'un dimanche pouvait être un jeudi ou un mardi. On est quel jour déjà? Bref, de mon côté, c'était plutôt cool, hein. Appel et distribution des cachetons, organisation du transport des repas, préparation et service des repas, nettoyage des lieux, connexion avec d'autres services, connexion entre téléphone et patient, et pour finir, accompagnement en isolement pour certains. Cool, non? Enfin, cool si je voulais faire comme métier mégaphone, pharmacien, camionneur, cuisinier, serveur, femme de ménage, secrétaire, standardiste ou mec de la sécurité. Vous serez d'accord avec moi, il y a de quoi devenir fou. Enfin, si on oublie le contexte. Mais j'ai quand même droit à mes pauses. Clope, bien évidemment. Enfin, revenons à nos moutons avec notre système drastique des horaires chambre, médoc et repas. D'ailleurs, vous savez ce qu'est 5 minutes de retard pour des personnes qui n'ont pas toute leur tête? 5 minutes pour des personnes qui s'ennuient? Eh bien, moi, je sais. C'est comme la foudre qui vous tombe droit sur le coin de la gueule.
Si, si, je vous jure, ça brûle. Attendez, je crois avoir deviné. Ouais, c'est ça. Vous pensez que je suis chez le psy à lui parler. Mais vous vous êtes planté. C'est bien à vous que je parle. Et droit dans les yeux. Parenthèse fermée. On avait au moins une salle télé, parce que les gens malades veulent se tenir au courant de l'actualité et se mettre toujours d'accord sur le programme à regarder. Non, je déconne, on n'est pas en maison de retraite. Plus sérieusement, c'est un moment qu'on peut appeler un gros bordel. Attendez, je vous mets le son, c'est plus parlant. Je vous ai peut-être un peu menti sur l'activité physique, car on avait une table de ping-pong, mais je vous laisse imaginer le tableau. Non, allez, je vous le montre quand même. Non, le vrai tableau. Je vous laisse contempler quelques instants pour le sport. Donc voilà, c'était quelques secondes d'une heure. La table en soi possédait une espérance de vie d'un mois et demi, mais une fin heureuse. Ah, excusez-moi le travail. Service psychiatrie, bonjour. Oui, d'accord. Simon pour le téléphone. Quoi? Vous pensez que je travaillais toujours? Non, je vous ai dit que j'avais travaillé cette année. Oh, fallait juste que je fasse la blague une fois. D'ailleurs, le téléphone n'existe même pas. En tout cas, une chose est sûre, j'ai jamais été aussi sérieux dans mon travail de infirmier. C'est vrai, il aurait pu avoir une guerre où le monde aurait pu s'écrouler et que je me serais toujours occupé de mes malades. Moi, je suis conscient que tous n'ont pas choisi leur état mental. C'est comme une grippe au bac, c'est la faute à pas de chance. Mais t'es baisé quand même. Mais tous ces cas ne sont pas acceptés par un système stable comme le vôtre. Et je continue à me convaincre que c'est le système qui veut ça, pour oublier que c'est vous. En tôle. Séparé des normales si fragiles. Oh non, on a assez de problèmes comme ça avec nos emprunts. On les met tous ensemble et ils se débrouillent entre eux. Quoi? Ils s'en sortent pas parce qu'ils subissent les autres? C'est pas mon problème ça, alors qu'ils soient pas dans nos pattes, c'est tout. Pardon, c'était mon quart d'heure acteur studio. Excusez mon arrogance. Je sais que ces patients ont besoin de moi. Je veux dire, par là, je suis pas un infirmier à leurs yeux. Je suis la mémoire, la maman, le fil, le médiateur, le calmant et les barrières. Je vous ai expliqué que j'étais pas tout seul. Et c'est pour cette partie que je fais ce que je fais. J'avais beau être enfermé, je suis pas fou et j'ai les pieds sur terre. Ce qui au passage est un syndrome grave chez les rêveurs. Ah, ça y est, j'ai dit les pieds sur terre. En fait, je parle depuis l'au-delà. Ou vous pensez peut-être que je suis Dieu psy? Je suis la voix du recul et de la raison des hôpitaux. Bon, j'arrête le délire, c'est pas ça du tout. Je suis pas non plus en train de vous parler d'une autre réalité. Comme un personnage sorti tout droit de Max. Avec les effets fixes. Dont je n'ai pas le droit de dire le titre, sinon je me serais pas fait biper. En tout cas, pour revenir à notre enfer, eh bien faites quelque chose. Je sais pas pour les malades, mais pour les infirmiers rêveurs, c'est bel et bien un enfer. Si vous le faites pas pour eux, faites-le au moins pour moi. J'ai survécu ces 7 années. Non, c'est bon, on a compris. Mais j'ai dû m'évader pour pouvoir encore rêver. Et maintenant que je suis entré moi-même dans ce quotidien, quotidien dans lequel vous avez mis ces malades, eh bien je peux plus m'en passer. J'ai ni le choix ni l'envie de faire autrement que d'embarquer toute la petite famille. Et ouais, ça y est, vous l'avez deviné? Les cachetons et le minivan qui ont disparu, c'est moi qui les ai volés. Vous voyez, ils sont tous là. Est-ce qu'ils vous ont l'air aussi malades qu'avant? Simon, laisse la caméra tranquille. Je sais maintenant que c'est pas le système. C'est nous qui voulions ça. Vous cherchez pas, on est parti pour un long voyage. C'est ça d'avoir un infirmier rêveur. Sauf qu'il y a des rêveurs qui exaucent leurs rêves. Maintenant, j'aime rentrer me coucher, car je plane d'endroit en endroit. Et maintenant, seulement maintenant, j'ai la conscience tranquille. Profession maman, pathologie rêveur, vous avez employé la plus instable des maladies. Bonsoir à vous, et surtout, bon courage, moi j'en ai eu.